Et toi, t'es un fou ? Ouais. T'es bon, hein, là ? Regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va ou quoi ? Ok, parfait. Ce qu'on avait prévu. Ok. Let's go. Bon, moi et tout, on va revenir au début ici de ton arrivée, ton aventure à Chelsea. Dans ta tête, comment tu t'étais préparé pour t'adapter au changement finalement, d'aller dans un si grand club, en plus dans un pays étranger que tu connaissais pas, avec une langue différente, une culture différente. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour t'adapter justement à tout ça? Je pense qu'il a fallu que je reste moi-même. Il a fallu que, voilà, même si c'était ma première expérience à l'étranger, l'Angleterre et Londres, ça reste quand même une ville que j'aime beaucoup, avec ma sœur qui habite ici depuis très longtemps. Donc j'ai l'habitude de venir ici et j'ai vraiment appris à aimer cette ville avant même d'être joueur de Chelsea. Donc si je bougeais de la France, c'était vraiment pour aller en Angleterre, qui plus est à Londres, donc j'avais tout ce que je rêvais. Hi Chelsea fans, can't wait to join you at Stamford Bridge. See you there. Je pense que c'est venu directement parce que j'ai vraiment vu la différence quand j'ai signé et j'ai eu mon premier rassemblement avec l'équipe nationale. Et là, il y a tout qui est différent. On a joué en Eswatini. C'est un endroit où très peu de gens vont. Et là-bas, il y avait des gens qui me connaissaient. Si je jouais à Rennes, il n'y avait personne qui m'aurait reconnu, tu vois. Donc, Eswatini, tout petit pays comme ça dans l'Afrique du Sud, les gens, tu arrives à l'aéroport, ils crient ton nom. Là, tu dis, tu as changé de dimension. Et même quand je retourne à Dakar, c'est plus la même chose. Et puis même dans l'équipe, même si j'avais déjà un statut, là, le statut, il est encore plus boosté et c'est encore plus de responsabilité. Mais ouais, j'ai vraiment senti la différence directement quand j'ai signé à Chelsea, que là, j'étais vraiment dans un très grand club. Game 5 of the new season sees the Blues on League Cup duty in North London. The headline team news for the Blues is that Edouard Mendy debuts in goal. Style of play? Gardien. Stop goals. Stop goals. The head is down, good save from Mendy. Out for Rashford. Good save, Mendy. Super reaction by Mendy. Mendy not only made the save, but he pushed it out of harm's way too. I've been really pleased with Edu, and because it's not easy, and he's made it look easy, he's performing on the pitch. You can't ask any more than that, and he's doing it with a smile on his face and a really great attitude. For a goalkeeper that's got such a spotlight on him, he's done it very seamlessly. Parce que quand j'ai signé à Chelsea, je me suis dit qu'il fallait rien inventer, il fallait juste continuer à garder les mêmes étapes, la même ligne directrice, et que c'était juste tout qui était un peu plus grand. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé, et c'est vrai aussi que ma famille, mon équilibre familial m'aide beaucoup à absorber toute cette attente qu'il peut y avoir autour de Chelsea et de moi-même, bien sûr. Et c'est quelque chose qui est très important et qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'était plus un avantage pour toi, finalement, que tu arrives un petit peu comme ça, sans que les gens te connaissent vraiment, en disant « c'est qui, Edouard Mendy ?» tout ça, plus que si tu étais arrivé où les gens avaient dit « oh là, on attend mon émerveil », entre guillemets, quoi. Par rapport à ça, je l'ai bien géré, parce qu'en fait, je pense que j'avais un avantage, c'est que je n'étais pas connu en Angleterre. Donc, au final, il n'y avait vraiment pas d'attente autour de moi, à part ceux qui avaient misé sur moi. Mais personne ne m'attendait vraiment. Il n'y a que ceux qui me connaissaient du championnat de France qui savaient de quoi j'étais capable. Donc, j'arrivais ici avec vraiment l'envie de montrer aux gens que je pouvais m'imposer au plus haut niveau, que je pouvais m'imposer à Chelsea. Donc, il fallait très vite s'imposer, montrer son caractère sur le terrain, bien sûr, mais aussi en dehors.
Et quand vous avez un vestiaire avec de tels joueurs et de telles carrières, vous avez intérêt à faire votre trou et bien comme il faut. I'm very happy with the win today, and the team play good football, and that's it. It must be. He's doing well, isn't he? No, good. Mason, you're the perfect man to stand here and translate. How good has this guy been? No, he's been brilliant ever since he come in on the first day. But not just on the pitch, off the pitch, always smiling, a big presence around the group. And he's a big presence when he plays in the goal, and he's been brilliant. And yeah, thank you. Long may that continue. Him doing well. Mason, congratulations, and Edu, congratulations. First interview in English. Well done. Thank you. Il y a tout de suite beaucoup d'attentes autour de vous, donc j'ai essayé de le tourner à ma sauce en me disant que voilà, personne t'attend. Tu sais de quoi tu es capable. Tu vas être dans de meilleures conditions encore, tu vas continuer ta progression. Donc au final, tu as tous les éléments pour performer, donc utilise-les et fais ton boulot. Godos, a looping cross. Janssen's in there, Mendy again. World class save from Mendy. I think Edu has an advantage because he's older than I was. So I've been pleased the way he settled in the team. He's been playing well, which shows that he feels well, that he's settled in the team and he has the confidence to perform. So it's great for us. Ça se passe comment avec Peter? Est-ce qu'il y a un sens de filiation un petit peu? Parce que comme lui, comme toi, il venait de Rennes. Comme toi, personne vraiment le connaissait ici, à part les gens qui regardent la Ligue 1 comme moi et toi. Il y a un peu de filiation, il y a beaucoup de confiance, j'imagine. Et puis, il a aussi beaucoup compté pour toi quand tu es arrivé au club. Oui, bien sûr, il a énormément compté. Il a beaucoup pesé dans le fait de mon arrivée à Chelsea. Donc, voilà, comme j'ai déjà dit, Peter, mais aussi Christophe Lolichon, c'est des personnes, quand je me lève le matin, je me dis que voilà, il faut toujours leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Il faut toujours continuer à les rendre fiers en performant sur le terrain. Peter, l'année dernière, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Bon, et cette année, il a raccroché un peu les crampons. Mais j'ai eu l'occasion de m'entraîner beaucoup avec lui. J'ai eu l'occasion et la chance de voir à quel point il était très fort, même s'il avait décidé de se retirer. Mais comme on dit, le talent, ça se perd pas. J'ai eu la chance de le voir évoluer. J'ai la chance qu'il puisse me donner des conseils au quotidien. Sa parole, elle est très importante pour moi, surtout d'un gardien qui a gagné énormément à Chelsea et qui fait partie des légendes à notre poste. Donc c'est hyper important d'avoir son avis, d'avoir son expertise et celle de mes entraîneurs des gardiens. I think the most important is his aura and his self-confidence, and at the same time he's such an ambitious guy. He really sets the standards high for himself. And he gives confidence to the players. They trust him. He trusts himself. We are very happy to have him. He is an outstanding personality, outstanding goalkeeper, which is a fantastic mix. Comment tu qualifierais ta relation avec le coach, avec Thomas? Très bonne. Avec le coach, on a une très bonne relation. Il a toujours été clair avec moi, comme il est clair avec tous les joueurs. Il est tout le temps dans l'explication. Il cherche toujours à faire comprendre les messages qu'il lance. Il cherche toujours à expliquer ses décisions. Donc, il y a beaucoup de transparence dans ce qu'il fait. Je pense que voilà, c'est important pour l'équipe et bien sûr pour moi-même. Et oui, on a une bonne relation où on discute. On peut discuter de tout et de rien, mais quand on discute du terrain, on peut avoir de très bons échanges.
destiny calls for Chelsea and Manchester City. It is the Champions League final. And this is Sterling. Reece James gets back there. Mendy, be careful. He's done well enough. It's a corner. Well, that's over Reece James. It's a great chance. Mendy grabs it. Was that their moment? Edison's overhit it. Mendy just judged the bounce, and he has. All eyes on you, ref! Chelsea Football Club champions of Europe! It's happened! Raconte-moi un peu ces 18 derniers mois. Est-ce que des fois tu te pinces pour y croire tout ce qui s'est passé dans ta vie sur les 18 derniers mois? Raconte-moi un petit peu les hauts, peut-être les bas aussi, peut-être des moments où après Ballon d'Or, ça t'a saoulé un peu, les très grands moments bien sûr, la Ligue des Champions, tout ça. Raconte-moi un peu pour finir là, ces 18 mois, ça représente quoi pour toi, pour ta famille, pour tout ça? Bah, comme tu dis, ça a été un mélange d'un peu tout. Il y a eu des moments incroyables. Il y a eu aussi des moments où un peu plus difficiles. Comme tu as dit, après le Ballon d'Or, je pense que voilà, même si on essaye de passer au-dessus et tout, inconsciemment, on est un petit peu touché. Et puis c'était quelque chose de nouveau pour moi, donc. Chaque épreuve est une leçon. J'ai pu apprendre de ça, j'ai pu apprendre de... Mais voilà, je sais que voilà, c'est des choses que j'ai vécues, qui m'ont renforcé, même si, comme je l'ai déjà dit, sur le coup, on peut être un peu touché. Et j'ai vécu des purs moments de plaisir avec la CAN, avec la Ligue des Champions, la Super Coupe. Gagner des trophées, c'est quand t'en gagnes, ça devient une addiction. Quand tu joues une compétition, t'as envie d'aller en finale pour la gagner. J'ai eu la chance de connaître ça au niveau de mon club, mais au niveau aussi de mon pays, qui plus est pour la première fois de notre histoire. Donc c'est un mix de beaucoup d'émotions, mais énormément de positifs. Pour ma famille, c'est une très grosse fierté. Et moi aussi, je suis hyper fier de les voir heureux. Pour mon quartier, Cocréoville, ma ville, Le Havre, c'est des choses énormes qui se passent. En plus, au Havre, on a une énorme communauté sénégalaise. Donc, tous les Sénégalais du Havre étaient dans la rue. Ils scandaient mon nom. J'ai des vidéos. C'est un truc de ouf, tu vois. Donc, je prendrai le temps de vraiment savourer à la fin de saison. Mais oui, ce que je vis, c'est ce que tout footballeur rêverait de vivre. Il y a un très gros héritage africain ici par rapport aux joueurs qui ont joué là. Michael Essien, Didier Drogba par exemple, Samuel Eto'o, juste pour nommer les trois. Comme ça, ça t'a inspiré, ça t'a aidé dans un sens pour reprendre un petit peu le flambeau et continuer un petit peu cet héritage assez incroyable que les joueurs africains ont laissé à Chelsea? Bah, c'est vrai que leur carrière, en tout cas leur bout de carrière à Chelsea est absolument incroyable, rempli de titres et je pense qu'aussi qu'ils ont marqué par leur charisme et par leur personnalité. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr que j'ai une responsabilité, mais j'essaye de m'écarter parce que c'est une pression, de cette pression. J'essaye de me dire qu'il faut que je fasse mon propre chemin, que je trace ma propre route et que oui, je continue à écrire mon histoire et celle qui m'est propre et continuer à avancer au plus haut niveau. Ça va encore, Capi? Merci beaucoup, Capi. Happy to be back with one more trophy. And I hope on Saturday we'll have another one. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les 18 mois prochains? Là, tu viens de me dire les 18 derniers mois. Et juste, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de le plus beau encore pour les 18 prochains mois? Ce serait quoi? Bah, la santé déjà. Je pense que pour faire notre boulot, faut quand même une bonne santé, éviter les pépins et voilà, être bien dans sa tête. Mais au niveau du terrain, oui,
si je pouvais revivre les 18 mois que j'ai vécu, je te m'y mets demain tout de suite. Mais en tout cas, je vais essayer de faire le maximum pour continuer à aider mon équipe, que ce soit en club et en sélection, et on verra où ça nous mène. That's a good stop from Mendy.